Bienvenue. Je m'appelle Mélanie Lemens, j'ai créé Carré Noir, il y a une boutique et une boutique en ligne, 100% chocolat, et mon magasin est situé en Neuvis à Liège, donc dans le cœur historique. Depuis que je suis toute petite, j'ai une grande passion pour le chocolat. Jusque vers 13 ans, je rêvais d'être chocolatière, puis alors après j'ai fait des études. J'ai fait des études d'histoire de l'art au départ. J'ai aussi fait des études de musique au conservatoire de Liège. Ensuite, j'ai un petit peu travaillé dans l'informatique et puis je suis revenue au culturel en travaillant plutôt comme chargée de communication et coordinatrice dans des centres culturels et de production cinématographique. Après avoir travaillé pendant plusieurs années et mis mon énergie au service d'autres, j'ai vraiment souhaité créer quelque chose qui m'appartienne. Et alors celle-là, je suis revenue vers le chocolat. Et alors petit à petit, j'ai été amenée à créer mes propres chocolats. Enfin, par un souci de choix des matières premières, de qualité aussi. Me former en chocolat, tout d'abord je suis passée un tout petit peu chez Calbo, je fais une petite formation initiation. Et puis alors j'ai démarré la formation à IFAPME, chef d'entreprise en chocolaterie et confiserie. C'est clair que ça aide d'avoir des professionnels qui connaissent la réalité de terrain pour pouvoir vraiment être confronté à des vrais chiffres en tout cas. Puis alors tout le soutien de tous les organismes type Jobin ou AREPS par lesquels je suis passée et qui m'ont aussi permis d'affiner mon projet. La bourse de préactivité, ça c'est un très, très beau soutien que j'ai eu, la prime e-commerce comme je l'ai dit. Donc ça m'a permis de financer une partie de mon site. Après ça, comme soutien, il y a aussi tout ce qui est mes réseaux professionnels. C'est beaucoup des réseaux de femmes, donc il y a le réseau phare notamment, le réseau des mompreneurs. Je suis aussi dans le réseau Diane, mais ça c'est depuis que je suis indépendante. Alors le principal obstacle, ça a été clairement de trouver les financements. En plus, je suis une femme, donc c'est pas aussi facile qu'un homme quand on arrive dans une banque et dire je vais créer mon entreprise, j'ai besoin de autant d'argent. Quand j'ai été présenter mon dossier en banque, il y en a une qui a refusé, il y en a une autre qui m'a dit oui ok mais tu revois tes prétentions à la baisse, donc j'ai dû un peu revenir en arrière sur mes projets. Donc voilà, ça c'était le principal problème. Et alors le plus dur aussi c'est de continuer à concilier vie de famille et vie professionnelle. Alors, je continue à développer ma boutique ici, qui tourne très bien depuis qu'elle est ouverte d'ailleurs, depuis quelques mois. J'élargis ma gamme de chocolat, je fais des tests, j'ai parfois des stagiaires, des étudiants qui viennent m'aider, ça c'est très gai. Et pourquoi pas le futur, le prochain pas, évidemment, au fur et à mesure des commandes, ce sera d'avoir un premier employé, puis peut-être d'autres, investir dans des machines plus performantes, voilà, des choses comme ça.
et alors un conseil aux futurs entrepreneurs, c'est de vérifier toutes les aides qui existent, parce qu'en tout cas en Wallonie il y en a vraiment beaucoup, et ce serait dommage de ne pas les prendre, donc il faut vraiment aller les chercher. Parfois ça demande un peu du temps d'élaborer des dossiers, mais ça vaut vraiment le coup. Thank you.